Je suis un puncher, je fais 122 kilos, je suis le roi. Et c'est clair, toutes les ceintures, il n'y a que moi qui ai autant de ceintures. J'en ai 12. J'en ai 12 à la maison. D'accord, j'en ai ramené 6 pour faire plaisir. Les gens ne se rendent pas compte, monter sur moi, c'est soit tu tombes, soit je tombe. Les gens ne se rendent pas compte de ma puissance. Est-ce que tu as déjà vu un poids lourd avec autant d'abdos? Est-ce que tu crois que mon corps il est forgé comme ça par hasard? Je m'entraîne dur, très très dur. Quand tu prends une droite de ma part, tu ne te rends pas compte. Tu vois, il y a très peu de boîtes au poids lourd au monde qui peuvent supporter ma puissance. Et ça, c'est ça qu'on ne se rend pas compte. Une fois que tu es sur le ring ou que tu me vois à la salle, tu comprends ma puissance. C'est sur l'adversaire, ça valait quoi? L'adversaire, il a pas pu tenir, c'est ça, c'est la vie. Et maintenant, comme j'ai dit, mon palmarès c'est 47 victoires, 45 KO. Je n'ai mis que des KO. Donc ne t'attends pas à ce que je gagne au point, que ça soit serré. C'est de la puissance pure. Est-ce que tu as déjà vu un poids lourd comme moi? Est-ce que tu as déjà vu un poids lourd taillé comme moi? Est-ce que tu as déjà vu un poids lourd aussi beau que moi? Non. C'est moi le meilleur. Donc aucun adversaire, aucune personne ne peut faire tomber. Mais t'es fou, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Je le répète, je le signe et je le répète, c'est pas du hasard, c'est un travail de dingue. Je vis dans la salle, je dors dans la salle, je m'entraîne tout le temps, tu vois. Je vois ma femme, mes enfants et puis le reste, je sors pas de chez moi. Et quand je sors, c'est pour fumer les gens. Je suis un loup, je suis pas un chien. Ça veut dire que quand je débarque, tu me donnes ce qu'il faut et j'arrive. Et je rentre dans ma tanière. Au lieu de dire la réalité, il a essayé de me discréditer, de me faire passer. Mais moi, je n'ai pas de carence affective. Je n'ai pas de carence. Moi, on peut dire j'ai peur, j'ai ci, j'ai ça. Je n'ai jamais joué à ce petit jeu-là. Voilà la vérité. J'attendais d'avoir l'occasion d'en parler. C'est ça la vérité. On ne respecte pas les boxeurs. On les prend pour des chiens, ils font le spectacle et ils dégagent. Sauf que moi, je ne suis pas un chien. Donc, je n'accepte pas tout. Et voilà. Et je suis pas au cirque. On n'est pas au cirque Pinder. Il faut me respecter. Il faut respecter ma famille. Il faut respecter tout le monde. On ne m'a pas respecté. Donc, il était évident que je n'allais pas revenir ici faire le clown. J'ai déjà signé. Je ne suis pas là pour leur faire de la pub. Ils m'en font pas, je n'en fais pas pour eux. Chaud, véritable chaud. Ça va être la guerre. Ça va être la guerre. On n'est pas 50 à se taper aussi fort. On n'est pas 50. Là, je parle très sérieusement. Ça va être un combat de malade. Je vais m'entraîner 10 fois plus dur que là. Ça va être un combat de dingue. Un combat que les gens ont. Ça va être un de nous deux va tomber. C'est un combat à la mort. Je sais, ils ont raison. J'aurais dû travailler plus. Mais quand j'essaie de travailler, juste ma droite est passée. Quoi. J'ai mis une droite. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien en face, quoi. D'accord. Donc, moi, je vois un trou, je frappe. Hein. Je ne sais pas. C'est pas faire du... J'essaye. Je devrais être plus propre dans ma tête. Je vais m'améliorer.